représente 35 000 mètres cubes de béton, tout compris. C'est comparable au massif que l'on avait réalisé sur Soyouz. C'est comparable également au massif d'Ariane 5. Bon, c'est un peu plus gros. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le tunnel qui compose ce déflecteur de jet qui est une nouveauté qui permet d'éliminer les réverbérations acoustiques. Aujourd'hui, les toupies utilisées sont des toupies guyanaises. Donc, comme vous le savez, lors des mouvements sociaux, on a renvoyé les trois toupies qui étaient arrivées. Donc aujourd'hui, on utilise des toupies de Guyane pour réaliser ces ouvrages de génie civil, et exclusivement des toupies guyanaises.